Bună ziua, dragii mei! Alex, unde plecăm noi astăzi? Plecăm la Flash. La Flash, o grotă, o... Cum se mai numește? În cavernă. Ah, e un cavern. Cavern la Flash. Mama, câte grade acolo arată la tine? La mine arată 20, dar este vântul și posibil că ulița e mai rece. De la 40 de grade la 20 de grade. Asta e, asta e! Meu pipa, o pipa e chiar la Flash, așa. Meu un cât. Eu mă duc fiecare oră cu tol. Da, deodată. Dintr-o dată. Dans les années 1960 pour nous donner un accès plus facile à la caverne qui, elle, est dans le milieu de la montagne. Donc, c'est pour ça que... Ma caverne est naturelle, mais pas le tunnel. Hein? Ma caverne est naturelle, mais pas le tunnel. Exactement. Donc, toute la caverne qui est dans le milieu de la montagne, c'est naturel. Puis, ce tunnel-là est exposé pour nous donner un accès plus facile à la caverne qui est dans le milieu de la montagne. Deci, drumul ăsta a fost construit artificial. Vous allez voir les trous de dynamite. Asta cu dinamită a făcut. Exactement, c'est la dynamite. Donc ces portes-là, pourquoi ils sont si importants? Ce tunnel-là, il n'est pas supposé exister. Mm-hmm. Donc avant, on avait juste une entrée d'air. Maintenant, l'air, elle peut connecter tout le long parce qu'il y en a deux places que l'air. Et ici, il fait très très froid, right? Donc qu'est-ce qui se passe avec l'air qui est en dedans? Ben, elle veut échanger avec celle qui est dehors. Oui. Et vice-versa. Donc, si on laisse les portes ouvertes, le vent va rentrer dans la caverne et va s'accumuler, va venir de plus en plus fort. Dacă et le vent peut monter jusqu'à 90 km. On va descendre les petits escaliers. Il y a à peu près... Ah, trebuie cu spinarea de dus înapoi. Alex, dar tu doamna asta ai făcut? Da. Eu primul și se duce. Da, da, lui îi place asta. À monter. Donc, c'est ici qu'on attend tout le monde ait fini de monter les escaliers. Donc, on s'assoit sur les croches puis on jase un peu de la caverne. Donc, ici, ce qui est fun, c'est qu'on est vraiment là, rendu dans le centre de la caverne. Ah. Et il y en a en arrière par là aussi. Donc, ces petits tunnels-là, on n'y va pas dedans aujourd'hui. On a une roche musicale. Pourquoi cette roche-là fait de la musique? Il y a beaucoup de gens qui pensent que la roche, elle est vide à l'intérieur. Mais en fait, je vous assure que cette roche-là, elle est pleine de roches. Donc, pourquoi elle fait du bruit, en fait? Cette roche-là, elle est très longue et très plate. Donc, quand je cogne dessus, ça lui permet de vibrer et c'est la vibration qui fait le son. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette roche-là? Qu'est-ce qu'elle fait là, pendant au plafond même? Elle a poussé. Elle a poussé, là, mais non, ça ne pousse pas de la roche. En fait, ce qui s'est passé ici, là, vous vous souvenez, on est dans un gros, gros bloc de marbre. À l'intérieur du marbre, on a des roches dures. Et les roches dures, eux autres, ils se font pas dissoudre par l'eau. Donc, quand l'eau entre en contact avec la roche, ça va l'éroder, ça va dissoudre un petit peu. Marbre plat, je remets une marque. Tandis que ça, c'est des roches dures. Fait que l'eau, elle n'est pas capable de dissoudre ces roches-là. Donc, quand l'eau, elle a monté comme une grotte, elle a fait fondre tout le marbre qui était autour, puis elle s'est arrêtée juste à temps avant de... Ça fera pas de son, étant donné qu'elle est juste pas assez longue pour vibrer. C'est juste ça. Mais c'est le même principe. Donc, vous allez en voir un peu partout, là, des petites, des grosses, là, qui sortent du plafond. C'est des roches dures. L'autre tunnel qu'on est allé creuser à la place. Ça a valu la peine. Donc, ici, on est dans la salle des rêves. Pourquoi on l'appelle la salle des rêves? Parce qu'ici, on peut se rendre. Il fait trop noir. Mm-hmm. En fait, on va voir comment noir qu'il fait dans la caverne. Je vais demander à tout le monde d'éteindre vos lumières. Oh my God! Amuși, le stingem? Și ați vedem cât e din tuneric într-o cavernă cu adevărat. Et dedans, ça s'est refermé, justement, les roches ils ont bloqué les tunnels et le tunnel a fini par se remplir de roches et de sable.
Donc, aujourd'hui, dans la caverne, on a beaucoup de tunnels qui existent, mais qui sont pleins de roches et de sable. Comment on fait pour les trouver, ces tunnels-là? Parce qu'on n'a pas de technologie pour les trouver, ces tunnels-là. On utilise...